Nous sommes presque arrivés. Qu'est-ce que ce satané spécialiste de Harley Street sait de ma santé? Écoutez, Holmes, le docteur Mouragar vous a ordonné de vous mettre au repos complet si vous voulez éviter de tomber gravement malade. L'air de la mer vous fera le plus grand bien. Vous auriez dû venir ici seul, Watson. Pas du tout. Nous sommes en vacances. C'est magnifique, Holmes, magnifique. Le paysage est prodigieux. Nous sommes au bord de la côte la plus dangereuse de tout le pays. Le propriétaire s'intéresse à l'histoire naturelle, je présume. C'est un ancien camarade de collège. Je vais défaire les bagages. Merci. Je vous salue, monsieur. Oh. Je me suis dit que vu que nous allons devenir des voisins pendant quelques semaines, je devais venir vous souhaiter la bienvenue. C'est très gentil. Et je suis ravi de vous serrer la main. Monsieur Sherlock Holmes, c'est un très grand plaisir et un grand honneur. Merci, mais je suis le docteur John Watson. Oh. Oh. Entrez. Voici mon grand ami, Sherlock Holmes. Je vous dois mille excuses, j'aurais dû réaliser. Entrez, monsieur Raoundé. C'était stupide de ma... Comment connaissez-vous mon nom? Est-ce que vous vous adonnez à l'archéologie, oui ou non? Mais oui. Déduisez, Watson. Venez ici et déduisez. Vous avez de la boue sur la pointe de vos chaussures, ainsi que sous les genoux et sur les doigts de la main droite. Splendide. Ce qui indique que vous vous êtes agenouillé quelque temps par terre. Oh, Watson, je suis vraiment fier de vous. Vous êtes un jardinier gaucher, vous étudiez l'archéologie. Vous avez publié un article traitant des rites funéraires au néolithique. Vous êtes le révérend Francis Raoundé, vicaire de la paroisse de Tredenick Wallace. Étonnant, étonnant. Je vous en prie, asseyez-vous. Pour le côté gaucher. La main avec laquelle vous tenez l'outil. Tout est exact. Une précision étonnante dans chaque détail. Mais comment faites-vous? Voyons, voyons, voyons. Le journal de la paroisse, et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Vous êtes fantastique. Le village est-il près d'ici? Oh oui, on y arrive en longeant le chemin de la côte. Ici, c'est assez retiré, mais nous avons tout ce qu'il nous faut. Est-ce la plus proche habitation? Non, non, le domaine Tregennis est à 1,5 km à l'intérieur des terres. Ce sont des gens charmants, et je suis sûr qu'un jour, ils vous feront goûter à l'hospitalité légendaire des Cornouailles. En attendant, je me suis trop imposé pour aujourd'hui. Peut-être accepteriez-vous de venir dîner avec moi un soir au presbytère? Nous ne voudrions pas vous déranger, vous le faites avoir de la famille. Oh non, et là, je n'ai pas de famille, je vis seul, enfin, si on veut, car M. Tregennis occupe un appartement dans la maison. Mais c'est lui qui a le domaine, non? Une dispute de famille. Sa sœur et ses deux frères y vivent, mais lui a choisi de vivre à part. Savez-vous que ce dîner au presbytère est une merveilleuse idée? Nous conviendrons d'une date et d'une heure. Oui, avec le plus grand plaisir. Je vous salue. Bonjour. L'hospitalité des Cornouailles. Bloc de granit rougi par le temps. Ancienne tombe éparpillée sur toute la surface de cette presqu'île. Je crois que comme la mer, la mort est toujours près de nous.
Oui, toujours. Souvent, pendant notre séjour en Cornouailles, Holmes se promena seul. Cet endroit mystérieux et fascinant, avec son atmosphère sinistre de peuplades oubliées, stimulait l'imagination de mon grand ami. La plupart du temps, il faisait de longues marches et méditait en solitaire. Un matin, cependant, la convalescence de Holmes fut brusquement interrompue. Messieurs, je vous conjure d'aller voir la police. Holmes est un homme malade. Oui, mais chaque jour, je vais un peu mieux, Watson. Il semble que l'affaire qui vous amène soit urgente. Monsieur Holmes, nous ne pouvons que remercier la Providence que vous ayez choisi cet endroit pour y passer votre séjour, car vous êtes de toute l'Angleterre l'homme qu'il nous faut. J'ai essayé d'expliquer à M. Tregennis et à M. Rounday que vous étiez en convalescence. Je suis sûr qu'ils se le rappelleront. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, merci. Eh bien, voilà. Comme je l'ai expliqué au Dr. Watson, c'est la plus extraordinaire et la plus tragique des affaires qui s'est déroulée ici cette nuit. Vous avez toute mon attention. Je devrais peut-être d'abord essayer de situer les choses. Voici M. Tregennis dont je vous ai déjà parlé. Eh bien, M. Tregennis a passé la soirée d'hier en compagnie de ses frères George et Owen et de sa sœur Brenda dans leur maison de Tredenick Water. Il les a laissés en train de jouer aux cartes à la table de la salle à manger en excellente santé et d'excellente humeur. Mais à son retour, ce matin, il a retrouvé la maison dans un état extraordinairement curieux. Ses deux frères étaient vivants, sa sœur était morte, mais sur les trois visages, il y avait une expression de profonde horreur. Elle était morte. Le visage convulsé de terreur. C'était effrayant à voir. Savez-vous si une autre personne est entrée dans la maison? Rien que Madame Porter, qui est cuisinière et femme de charge. Elle avait dormi profondément et n'avait rien entendu pendant la nuit. Quelque chose manquait ou avait été dérangé? Non, rien, Monsieur Holmes. Qu'est-ce qui a pu effrayer une jeune femme au point de la faire mourir et rendre fou deux hommes sains d'esprit? Oui, quoi, en effet. Je suis certain, Holmes, que la police locale saura résoudre ce mystère. Elle sait aussi se tromper, vous savez. Réfléchissez et dites-moi ce qui s'est passé hier soir, Monsieur Tregennis. Bien, Monsieur Holmes. J'ai dîné avec eux, comme le curé l'a dit. Mon frère aîné, George, a proposé de jouer au whist après le repas. Il était 10h15 quand je suis parti. Qui vous a ouvert la porte? Madame Porter était allée se coucher, je suis donc sorti seul. Les fenêtres de la pièce où il jouait aux cartes étaient fermées, mais les rideaux n'étaient pas tirés. Il n'y avait rien de changé ni à la porte ni à la fenêtre ce matin. Il n'y avait pas la moindre raison de supposer qu'un étranger était entré dans la maison. Ils étaient encore là, assis, complètement fous de terreur. Je ne pourrai jamais oublier ce sinistre spectacle aussi longtemps que je vivrai. Oui, les faits sont des plus remarquables. Monsieur Tregennis, avez-vous une théorie qui puisse donner une explication de ce drame? Tout ça est diabolique. Diabolique, Monsieur Holmes. Ça ne vient pas de ce monde. Si cette affaire est hors des limites humaines, je crains qu'elle ne soit pas de mon ressort. Je suis de votre avis, Holmes. Oh. Réfléchissez encore.
Réfléchissez soigneusement, monsieur Tregennis, à la soirée que vous avez passée tous les quatre. Est-ce qu'aucun détail ne ressurgit dans votre mémoire qui pourrait quelque peu nous éclairer sur cette tragédie? Non, je ne vois rien, monsieur Holmes. Aucun d'eux n'était nerveux? Ils n'ont montré aucun signe d'appréhension? Pas à ma connaissance. Vous ne vous souvenez donc de rien qui puisse m'aider? Il y aurait une chose, peut-être. Quand j'étais à la table, j'avais le dos tourné à la fenêtre. Mon frère, Georges, qui était mon partenaire aux cartes, faisait face à la fenêtre. À un moment, je l'ai vu regarder avec attention au-dessus de mon épaule. Alors je me suis retourné et j'ai regardé aussi. Les rideaux étaient ouverts, la fenêtre était fermée. Mais je ne voyais pas au-delà des buissons sur la pelouse. À un moment, il m'a semblé que je voyais bouger quelque chose. Je serais incapable de dire si c'était un homme ou un animal. Mais il m'a bel et bien semblé voir quelque chose. Vous n'avez pas vérifié? Ça n'avait pas une grande importance. Vous les avez quittés sans le moindre pressentiment? Non, non, pas le moindre. De quelle façon avez-vous appris la nouvelle d'aussi bonne heure? Je suis un lève-tôt et j'ai l'habitude de faire une promenade avant le petit déjeuner. Ce matin, je venais juste de partir quand le docteur Richards m'a rattrapé avec sa voiture. Oh, oh! Monsieur Tregennis! On vient de me demander de me rendre en urgence dans la maison de votre sœur. Vous savez pourquoi? Pas exactement, monsieur. Mais vous devriez m'accompagner. Elle est morte il y a environ 6 heures. Aucune trace de violence. Elle est morte. De quoi? Je n'avais jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui, monsieur Tregennis. Dans toute ma carrière, je n'ai... Vous ne vous sentez pas bien? Je vous tiens. Venez, il faut vous asseoir. Doucement. Là, voilà. Ce qu'il avait vu l'avait bouleversé. Où allez-vous, Holmes? Je vais tout de suite à Tredenick Ward. Avec votre permission, monsieur Holmes, je vous presse. Merci, monsieur le curé. Faites vite, sinon nous y serons avant Holmes, vous. Holmes, je proteste avec vigueur. Gardez vos protestations pour plus tard, Watson, pour beaucoup plus tard. Je croyais que vous vous étiez plus ou moins séparé de votre famille. Oui, c'est vrai, monsieur Holmes. Mais il y a longtemps de ça et c'est fini aujourd'hui. Tout a été pardonné, oublié, nous vivons en excellents termes. Nous étions une famille de mineurs d'État à Redruth. Nous avons vendu notre entreprise à une société... Et nous nous sommes retirés avec assez d'argent pour vivre. Je ne nierai pas que le partage de l'argent ait donné lieu à quelques difficultés, dont nous avons subi les conséquences pendant quelques années. Et malgré tout... Vous avez décidé de ne pas quitter les Cornouailles. Au fond de moi, j'avais gardé l'espoir de retourner dans ma maison un jour. Holmes! Holmes, attention! Mes frères, la voiture les emmène à Elliston. C'est une bien belle demeure, monsieur Tregennis. Elle est surtout très triste. C'est à travers cette fenêtre que vous avez cru voir une forme. C'était approximativement à quelle distance de la vitre? Et disons que ça devait être à 4 ou 5 mètres. Environ. Environ ici. Il n'y a aucune trace d'effraction. Et les fenêtres auraient été fermées, selon vous? Ma sœur s'en était assurée. Même dans les Cornouailles, les voleurs... Oh, désolé. Je suis vraiment désolé. Non, je vous en prie, ce n'est rien, voyons. C'est un accident. Je vous remercie. Prévenez Madame Porter que je suis revenu. Thank you.
Je voudrais parler à Madame Porter. Oui, bien sûr. Mais je vous en prie, évitez de la plonger dans une angoisse encore plus grande. La mort est toujours angoissante, Monsieur Tregennis. Ah. Les chaises. Elles ont été certainement déplacées après que la police ait quitté la maison. Voyons, celle-là était là. L'autre ici. L'autre là. Et celle-là. Ici. Est-ce qu'on a déplacé autre chose? C'est tout ce dont je me souviens. Vous devez comprendre qu'il régnait une très grande confusion quand je suis arrivé ce matin. On peut déplacer des choses sans pour cela vouloir entraver la bonne marche de l'enquête criminelle. Criminelle? Mais voilà un mot intéressant. Vous ne souscrivez donc pas plus longtemps à la théorie d'une intervention surnaturelle? Je ne sais pas. Où étiez-vous assis? Moi, j'étais là, en face de Georgie, mon frère George. Brenda était près de moi et Owen en face d'elle. C'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Eh bien, de cet endroit, la forme de l'autre côté de la fenêtre devait se trouver à 2,50 m environ. Je ne peux vous dire que ce que j'ai vu, Monsieur Holmes. Voici ma gouvernante, Madame Porter. Je voulais que vous rencontriez ces messieurs, ma chère. Madame. Elle était si belle à regarder. Oh, elle était si belle, si jolie. Elle est encore très bouleversée. Nous sommes tous très bouleversés, Monsieur Randy. Venez vous asseoir. Je vous avertis que je ne resterai pas dans cette maison plus longtemps que je ne dois, monsieur. Je vais rejoindre ma famille à Saint-Yves. Mais vous faites partie de notre famille? La famille Tregennis est morte, monsieur. Ceux qui restent ne valent guère mieux. Je suis toujours en vie. Madame Porter. Pardonnez-moi. Venez, Madame Porter. Je m'appelle Sherlock Holmes. J'aimerais que vous me disiez tout ce que vous savez. Monsieur Holmes est détective. Il va essayer de découvrir ce qui est arrivé à Brenda et aux deux autres. Je vous écoute et n'oubliez rien, s'il vous plaît. Je ne peux vous dire que peu de choses, Monsieur Holmes. Oh, mais tu triches? Ce n'est pas vrai, je ne triche pas. Owen, voudrais-tu dire à ta chère sœur de respecter les règles de ce jeu? C'est ta sœur à toi aussi? Oui. Tu n'as qu'à le lui dire. Ah oui, mais c'est avec toi qu'elle joue. Bien, il commence à être tard, il va falloir que je rentre. Mortimer, tu devrais coucher ici cette nuit. S'il te plaît, dis que tu vas rester. Eh bien... Voyons, ne le force pas à rester s'il n'en a pas envie, Brenda. Oh, tu exagères. Je croyais qu'on avait décidé de mettre un terme à nos querelles. Mortimer est autant mon frère que toi et George. Rassure-toi, mon cher frère. Je sais où je suis indésirable. Alors pourquoi viens-tu ici? Tu nous dépossèdes. Tu l'as peut-être oublié. Vous pouvez vous retirer, Madame Porter, si vous le désirez. Monsieur Tregennis va-t-il passer la nuit ici? Pourquoi? Est-ce que pour vous aussi, ma présence est dérangeante, Madame Porter? Mortimer! Je voulais seulement savoir si je devais aérer votre chambre, monsieur. Désolé. Je vous remercie. Vous n'aurez rien à préparer. Monsieur Tregennis ne couchera pas ici cette nuit. Bien, mademoiselle. Est-ce une habitude de faire du feu dans cette pièce à cette époque de l'année? C'était une soirée humide et froide. Eh bien, moi, je l'ai trouvée plus humide que froide. Mon sang est toujours froid, un problème de circulation sanguine. J'ai souvent froid, même quand il fait chaud. Je sais ce que vous ressentez. Voyons, Madame Porter, la porte de cette pièce était-elle fermée quand vous êtes entrée ce matin? Oh, bien sûr, monsieur. Le rouge-gorge chante au loin là-bas dans la vallée. Chante au loin là-bas dans la vallée. Là-bas dans la vallée. Là-bas dans la vallée.
Quand j'ai repris conscience, je suis allée ouvrir la fenêtre pour que l'air du matin puisse entrer. Puis je suis descendue jusqu'au chemin. Et j'ai envoyé un jeune garçon chercher le docteur. Et la suite, je crois que vous la connaissez. Madame Porter avait raison. Cette jeune femme est très belle. Mais quelque chose me gêne. Trigenis a menti au sujet de son sang toujours froid. Je jouerai ma réputation là-dessus. Ah, oui, nous verrons. Venez, Watson. Watson. Regardez ça. Comme c'est étrange. Ça ne marche pas, ça ne marche pas! Trois personnes ont été victimes d'un acte commis par quelqu'un de conscient ou d'inconscient. Bon. Essayons de reconstituer ce qui s'est passé. Ils avaient fini de jouer aux cartes. Ils avaient dépassé l'heure habituelle d'aller se coucher. Cependant, ils n'avaient ni bougé ni reculé leur chaise. Ça a dû se produire juste un moment après que Trigenis ait quitté la maison. Exactement. Vous avez certainement vu comment j'ai procédé pour obtenir une bonne empreinte de son pied. Oui, je vous ai même admiré. Ayant une empreinte nette, je pouvais relever ses traces de pas au milieu des autres et suivre ses mouvements. En mesurant la longueur de ses pas, j'ai constaté qu'il était retourné à la cure en marchant vite. Donc, Trigenis disparaît et presque instantanément, une autre personne effraye les joueurs de cartes. Alors de quelle façon identifier cette personne? Mais y a-t-il une seule preuve en réalité, Watson? Que quelqu'un ait rampé jusqu'à la fenêtre? La seule personne qui l'affirme, c'est Trigenis. Il dit que son frère aurait réagi en apercevant quelque chose dans le jardin. Oui. Mais de quelle façon cette impression d'horreur leur a-t-elle été infligée? Vous êtes Monsieur Sherlock Holmes, le détective. Et vous, vous êtes le docteur Léon Sterndel, le grand chasseur, célèbre explorateur africain. Vous avez quelque peu progressé? Oui. La police du comté est complètement perdue. Dites-moi ce que vous savez du malheur qui a frappé les Trigenis. À quel titre cela vous intéresse-t-il, docteur? Mon seul titre pour vous demander une chose aussi indiscrète est que pendant les nombreux séjours que j'ai fait ici, j'ai fait la connaissance de la famille Trigenis et j'avais de l'estime pour elle. D'ailleurs, par ma mère, j'ai du sang de Cornouailles dans les veines, ce qui fait que nous étions un peu cousins. Et ce destin fatal qui les a frappés m'a naturellement causé un très grand choc. Est-ce que vous sauriez une chose qui pourrait m'être utile? Non, je regrette. Je peux vous dire que je venais juste d'arriver à Plymouth. J'étais en route pour l'Afrique lorsque j'ai appris la nouvelle. Je suis immédiatement revenu pour aider dans la mesure de mes moyens à découvrir la vérité. Vous avez raté votre bateau alors? J'en prendrai un autre. Oui, bien sûr. Ça s'appelle de l'amitié, ça? Je vous ai dit que nous étions parents. Et vos bagages sont partis sans vous? Quelques-uns. La plupart sont restés à l'hôtel. Pardonnez-moi, les nouvelles vont vite, mais est-ce que les journaux de Plymouth auraient déjà publié la nouvelle? Non, monsieur. J'ai reçu un télégramme. De qui? Je vous trouve très inquisiteur, monsieur Holmes. Et c'est mon métier. C'est le curé, monsieur Ramday, qui me l'a envoyé, en me rappelant à Trigenis Wallace. Je vois. Puis-je vous demander si vous avez déjà des soupçons, et si oui, vers qui s'oriente-t-il? Votre question restera sans réponse. Alors je perds mon temps. Qu'avez-vous? C'est fini. Vous
Vouloir trop demander à un cerveau fatigué, c'est vouloir faire de la vitesse avec un moteur rouillé. On risque la panne. Attendez-moi au cottage. Holmes, où allez-vous? Patience, Watson. Tout vient à point à qui sait attendre. Patience. Tout vous sera bientôt révélé. Membre convulsé, loi tendue. Il est mort en atteignant le paroxysme de la peur. Et il a fallu que ça se passe sous mon toit. Est-ce que son lit était défait? Oh oui, monsieur, il l'était. Voyons. Dites-moi, qui a ouvert cette fenêtre? Ma gouvernante. Elle est entrée dans la pièce ce matin. Et où est-elle maintenant? Elle est allée se coucher. Elle avait très mal à la tête. Elle a sûrement été très affectée par le choc. Je suis terriblement navré de vous déranger de cette façon. Je sais que vous êtes venu dans ce pays pour vous reposer. Ce qui n'est pas facile quand on est avec Holmes. Il adore se passionner pour ce genre de problème. Deux morts, docteur, en l'espace de 2 jours. C'est l'œuvre du diable. Vous pouvez me croire. Placez votre foi dans le connu et le tangible, monsieur le curé. J'espère qu'on a touché à rien. Non, absolument à rien, je vous l'assure. C'est bien. Il va me falloir votre déposition et celle de votre gouvernante. Pour l'instant, ma gouvernante est malade. Allez voir au premier. Oh, je vous en prie. Qui sont ces messieurs? Ah oui, monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson de Londres. J'ai entendu parler de vous, monsieur Holmes. Et je vous serais reconnaissant de laisser cette enquête à la police officielle. Si vous le souhaitez. Je le souhaite. Monsieur Harmony, voudriez-vous attirer l'attention de ce cher inspecteur sur la fenêtre du premier, sur la lampe de la table? Chacune prise à part est suggestive. Ensemble, elles sont presque concluantes. Watson! Bon après-midi. Bonne chance.
Qu'est-ce que vous faites? Une expérience. Je vérifie une théorie. Ah, c'est la lampe qui était dans la chambre de Triganis? Oui et non. Ah, je vois, vous avez acheté la même. J'en ai fait l'achat dans une délicieuse petite boutique du village. Alors c'est là que vous étiez cet après-midi? Il y a un seul point de ressemblance dans les rapports que nous avons entendus, et cela concerne l'effet de l'atmosphère de la pièce sur les premiers qui y sont entrés. D'abord le docteur Richards, ensuite Madame Porter. Et la gouvernante de Rwanda qui est malade depuis ce matin. Dans chacun de ces cas, il y avait une combustion qui était en train de se produire. Dans le premier cas, c'était un feu. Dans le second, une lampe. Le feu de cheminée était peut-être nécessaire, mais la lampe a été allumée alors qu'on était en plein jour. Une comparaison entre le pétrole brûlé par cette lampe et celle de Tréguenis confirme ce point. Mais enfin, pourquoi? Quelque chose a été brûlé, produisant une atmosphère qui déclenche de curieux effets toxiques. Dans le premier exemple, celui de la famille Tréguenis, une substance a été placée dans le feu, une partie des effets toxiques disparaissant avec la fumée dans la cheminée. Seule Brenda Tréguenis, qui était à côté du feu, a été tuée. Ses frères n'ont que succombé à cet état de folie qui semble être le premier effet de la drogue. Dans l'autre cas, bien sûr, réussite complète. Donc c'est un poison qui fait son œuvre par combustion. L'endroit évident où chercher était le protège-fumée de la lampe qui était dans la chambre des Tréguenis. Là, j'ai trouvé des cendres floconneuses et en bordure une frange de poudre foncée qui n'avait pas encore été consumée. J'en ai pris la moitié et j'ai laissé l'autre moitié à la police. Nous allons voir si nous pouvons reproduire le même effet avec notre lampe. Quoi? Oh non, c'est de la folie! Rien ne vous force à rester. Mais je veux avoir la réponse. Très bien, je vais rester. Je l'aurais parié, Watson. Voulez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Et maintenant, voulez-vous vous asseoir là? Vous êtes prêts? Attendez, Holmes. John! Enfin, vous revenez à vous. C'était stupide et très dangereux de faire ça. On aurait pu être tués. C'était injustifiable comme expérience, même pour moi. Et encore moins pour un ami.
Oh, 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 Watson. Oh, pardonnez-moi. Oh, oh, j'ai réussi. Ah, ah. Tout indique que Tregennis a été le criminel dans la première tragédie et la victime dans la seconde. Oh, si quelqu'un était entré, la famille se serait certainement levée de table. Donc la mort de Tregennis serait un suicide. Ce doit être le docteur Léon Sterndel. Voulez-vous le faire entrer, Watson? Oui. Je vous en prie, entrez, docteur. Je crois que vous êtes attendu. J'ai reçu votre mot il y a une heure. Mais avant tout, je vais vous dire une chose. Sachez que je n'aime pas qu'on me convoque pour rien. Nous ferions bien de discuter de l'affaire ici. Aucun risque d'être écouté. J'ai hâte de savoir de quoi vous pouvez avoir à me parler, qui me concerne personnellement et de la façon la plus intime. De l'assassinat de Mortimer Tregennis. J'ai vécu si longtemps parmi les sauvages et au-delà des lois que d'une certaine manière, j'ai pris l'habitude de faire la loi moi-même. Vous feriez bien, Monsieur Holmes, de vous en souvenir, car je n'ai aucun désir de vous nuire en quoi que ce soit. Moi non plus, docteur Sterndel. Et la preuve en est que, sachant ce que je sais, c'est vous que j'ai appelé et non la police. Si c'est un bluff de votre part, alors je vous dirai tout de suite qu'avec moi, vous êtes mal tombé. Non, le bluff est de votre côté, non pas du mien. Je vais vous énoncer les faits sur lesquels j'ai basé mes conclusions. De votre retour de Plymouth et du fait qu'une partie de vos bagages soit en route pour l'Afrique, je ne dirai rien, excepté que ça m'a appris que vous étiez un des facteurs qui devait être pris en compte dans la reconstitution de ce drame. Ce télégramme de votre hôtel confirme vos dires. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez demandé qui je soupçonnais. Et j'ai refusé de vous répondre. Vous êtes reparti, mais vous n'êtes pas rentré chez vous. Oh non, docteur Sterndel. Vous êtes allé à la cure. Une fois arrivé, vous avez un peu attendu. Comment le savez-vous? Je vous ai suivi. Je n'ai vu personne. C'est exactement ce à quoi il faut s'attendre quand je file quelqu'un. Vous avez passé une mauvaise nuit. Vous aviez mis sur pied un plan et aux premières lueurs du jour, vous avez commencé à l'exécuter. Vous êtes retourné à la cure. Vous avez ramassé du gravier rouge sur le talus au bord du chemin. Il faisait grand jour quand vous êtes arrivé. Mais dans la maison, tout le monde dormait encore. Vous avez jeté quelques graviers sur la fenêtre de la chambre de Tregennis. Sterndel. Il faut que je vous parle, c'est très urgent. À cette heure-ci ? Les portes sont fermées. C'est la gouvernante qui a les clés. C'est de la plus grande importance. Vous êtes entré par la fenêtre du salon. Vous avez eu une discussion assez brève. Vous arpentiez la pièce de long en large. Vous êtes reparti comme vous étiez venu. Vous portiez la même paire de chaussures de marche que vous avez aux pieds en ce moment. Quant à Mortimer Tregennis, il était mort. La bague que vous aviez donnée à Brenda Tregennis. Oui. Oui. Brenda Tregennis.
Pendant des années, je l'ai aimée. Pendant des années, elle m'a aimé. C'est la raison secrète de cette retraite en Cornouailles dont les gens s'étonnaient. Ça me permettait d'être près de la seule personne au monde qui comptait pour moi. Je ne pouvais pas l'épouser, car j'avais une femme qui m'avait quitté, mais dont, par la faute de ces déplorables lois anglaises, je ne pouvais divorcer. Brenda a attendu des années. J'ai attendu des années. Nous attendions de pouvoir nous marier. Oh. Roundet savait. Il était dans la confidence, c'est la raison de son télégramme à Plymouth. Quelle importance, mes bagages. Ou l'Afrique, vraiment aucune. J'ai su quel destin s'était abattu sur celle que j'aimais plus que tout. Voilà, vous avez le mobile auquel j'ai obéi, c'est la pièce du puzzle qui vous manquait. Si j'ai bien compris, vous êtes docteur en médecine. Mm-hmm. Avez-vous entendu parler de Radix Pedix Diaboli? La racine du pied du diable? Mm-hmm. Non, je dois avouer que non. C'est une lacune qui ne nuit pas à votre savoir professionnel. Car je pense qu'en dehors de l'échantillon du laboratoire de Bouddha, il n'en existe pas d'autre en Europe. Il est utilisé pour l'épreuve du poison par les sorciers de certaines régions d'Afrique occidentale. Il est soigneusement gardé secret par eux. Vous en savez déjà tellement, Monsieur Holmes, que je crois qu'il est de mon intérêt que vous sachiez tout. J'ai déjà expliqué les relations d'amitié que j'entretenais avec la famille Tregennis. Il y avait eu une querelle d'argent qui avait séparé ce Mortimer des autres. C'était un intrigant rusé et subtil. Mais par amour pour Brenda, je lis amitié avec son frère. Un jour, il y a quelques semaines, il était venu me rendre visite. Et je lui avais montré quelques-unes de mes curiosités africaines. Entre autres choses, je lui ai montré le pied du diable. Un poison, dites-vous. C'est amusant. Vous ne diriez pas ça si vous en aviez pris. Une minuscule quantité peut être fatale sous forme de poudre, comme ici. Il agit instantanément quand il brûle. Il stimule les centres du cerveau qui contrôlent l'émotion de la peur. La folie instantanée, ou la mort, est le sort réservé au malheureux indigène qui est soumis à cette épreuve par le prêtre de sa tribu. On peut le détecter? La science européenne en est incapable. Quelques jours plus tard, mon cottage fut cambriolé. Mais comme rien ne semblait avoir été volé, je n'y fis pas attention. Jusqu'à ce que M. Roundet me télégraphie à Plymouth. Oh, ce bandit de Mortimer avait pensé que je serais en mer avant de connaître la nouvelle et que je serais perdu au fin fond de l'Afrique pendant des années. Mais bien sûr, je suis revenu immédiatement. Et dès que j'ai connu tous les détails, j'ai été persuadé que c'était de mon poison dont on s'était servi. Que c'était Mortimer Tregennis qui l'avait volé et qu'il était le meurtrier. Et perdu de chagrin, je ne cherchais plus qu'à me venger. Ah, tu l'as assassiné. C'est pour son argent que tu as assassiné ta propre sœur. Vous ne pouvez pas le prouver. Il n'y a aucun jury qui pourrait vous croire. Je suis mon propre jury, Mortimer Tregennis. Je suis le juge, le jury, et j'exécute la sentence. Non.
dans 5 minutes. Mon Dieu, quelle horreur, sa mort. Mais mon cœur était sans pitié. Parce que Mortimer éprouvait toutes les souffrances que Brenda avait éprouvées avant lui. Faites ce que vous voulez maintenant, Monsieur Holmes. Il n'y a pas un être humain qui ait plus envie de mourir que moi aujourd'hui. Quels étaient vos projets? J'avais l'intention de m'enterrer en Afrique centrale. Je n'y ai réalisé que la moitié de mon travail. Retournez en Afrique et finissez votre travail. Je ne suis pas du tout disposé à vous en empêcher. Dieu vous bénisse. Vous aussi, docteur. Ah, ce n'est pas la première fois, Holmes, que vous vous permettez de vous substituer à la loi. Je n'ai jamais aimé. Mais si c'était arrivé, et que la femme que j'aime soit morte de cette façon, je pourrais avoir agi comme notre chasseur de lions l'a fait. Pas vous? Si, je suppose. Mais la question n'est pas là. La question est pourquoi devrais-je travailler pour la police officielle? Car comme vous me le répétez constamment, je suis en vacances.